Eh bien, salut à tous, c'est Zagamore64, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre épisode sur Call of Duty World War II. Allez, c'est parti! Octobre, Aix-la-Chapelle. Les Boches la défendent comme des forcenés car c'est la première fois que l'une de leurs villes est envahie par les Alliés. Ce ne sera pas la dernière. On pensait que la libération de Paris nous rapprocherait enfin de chez nous. Mais nos problèmes ne font que commencer. On se bat dans une ville à présent, Aix-la-Chapelle. Les Boches tiennent la ville avec désespoir. Je les comprends. On perfore la frontière ouest de l'Allemagne. Davis nous a ordonné de tout nettoyer, maison par maison. Il doit plus rien rester, comme il dit. Turner et Pearson sont incapables de s'entendre depuis qu'on est là. La fatigue commence à s'accumuler. Allez, c'est l'heure de la bouffe et des munitions. Ne pas discuter mes ordres, c'est ça votre seule mission. Eh, remuez-vous un peu. Faut qu'on ait rejoint le QG avant la nuit. Eh, j'ai trouvé ça qui traînait. Ça vient de ta femme. Je t'ai demandé de pas fouiller dans mes affaires. Quel genre de guignol ouvre pas son courrier? Le genre qui redoute une rupture? Regarde l'adresse, elle a écrit Daniel, c'est pas Red. Y'a pas 36 raisons d'être aussi formel. Désolé, mon vieux, mais je crois qu'elle te largue. Eh, c'est peut-être comme la lettre de Schrödinger. Tu sais, tant que tu l'ouvres pas, ça reste ta copine. Comme la lettre de Schrödinger, hein? Bah quoi? Ça suffit, les conneries! On doit être au théâtre municipal demain à 7h30. Faut croire qu'on a tous nos limites. Sans exception. À tort ou à raison, je me force à croire que tu m'aimes encore si je veux rester fort. On y va! On y va! Allez, Daniels! Daniels! C'est bon, je suis là! Merde, on les pile, mais il en arrive toujours plus! On va pas pouvoir tenir la place bien longtemps! L'artillerie est en chemin, ils disent être là dans 10 minutes! C'est pareil que 10 heures! Lieutenant Turner, il nous faut des plein d'équipes! Les chars couvrent notre flanc! Ouvrez la douce et laissez-moi réfléchir, on bon dieu! On a pas le temps pour ça, chef! Bon, Daniels! Toi et Aiello au téléphone avec Pearson! Vite! Allez, c'est parti! Daniels, vite, on se déroule! J'y vais! Goodwhite 2-7 à Villa. On est sous le feu. Demandons appui immédiat sur ligne phase 2, à vous. Bien sûr, mais ça va nous exposer sur le flanc. Ok, ramenez vos fesses le plus vite possible. Bien compris, on se met en route. Et maniez-vous, c'est pas que nous réduisons en charpie. Terminé. Bon les gars, direction le Stadttheater. La première section a besoin de nous. Position ennemie inconnue. On bascule en communication par radio et interphone. Radio activée. Rapson, coupe par la droite pour rejoindre le théâtre. À droite devant. Bien reçu, Perez. Abrams, Poul, restez en position ici avec la seconde section. Couvrez ce flanc jusqu'à notre tour. Bien compris. Ça marche, Perez. Restez vigilants. Faites gaffe aux fantassins en fenêtre. Rechargement en cours. Ok, Rapson, en route. J'aperçois du mouvement, côté droit. Nos gars au théâtre ont les mêmes emmerdes que nous. Dès qu'on repousse les Allemands, ils en débarquent aussi nos nôtres. On est sur leur terrain. C'est plus du tout pareil. S'ils veulent un bain de sang, ils l'auront. Ils ont pas la moindre chance. C'est pas leur façon de voir. Unité Panzerschreck! Thank you.
secours! Unité de moteur Shrek, côté droit!
Merci pour le coup de main. La good white terminée. Bon, Perez va rester en position devant le théâtre pour couvrir notre flanc. Nous, on va pousser en direction de l'hôtel Allendorf sans soutien blindé. En route! Ok, c'est parti. Cet hôtel est un bastion nazi depuis des semaines. On doit le prendre si on veut récupérer la ville. Ce serait plus simple si on avait quelques chars avec nous. Perez doit maintenir sa position. Nous allons ouvrir la marche, soldat. Levez les yeux! Surveillez les fenêtres! Gardez un œil sur ces vitrines. C'est pas normal, c'est trop tranquille. Restez vigilants. Gardez votre calme, restez à couvert. Mitrailleuse, restez pas dans la rue! À l'assaut, trouvez un point d'entrée! De marquage à Yellow. Attends pour des ciblants visuels. Retourner dans la rue. Ce mur a pas l'air solide. Daniel, ouvre un passage avec ton lanceur. À couvert. Ouvrez les yeux et les oreilles, vite! Oui, monsieur. «
Ça a l'air calme, mais c'est sans doute pas une bonne chose. Daniels, qu'est-ce que tu vois ? Le ciel est dégagé. Nos bombardiers sont passés par là. Vous admirez le paysage, soldat ? Qu'est-ce que vous regardez ? J'ai l'hôtel en ligne de mire. Pas de soldats sur le balcon. J'en vois pas ailleurs non plus. Ils doivent se terrer à l'intérieur pour renforcer leur défense. Ils misent tout sur cet endroit. On devrait pouvoir s'approcher sans rencontrer trop de résistance. Mais une fois qu'on aura atteint l'hôtel, il faudra qu'on s'attende au pire. On va d'abord devoir s'emparer de cet appartement. On pourrait grouiller de poche. On va le nettoyer pour couvrir nos arrières avant de passer à l'hôtel. En formation ! Daniels, Zussmann, vous ouvrez la voie. On y va ! Restez sur vos gardes. Les appartements pourraient grouiller d'Allemands. À mon avis, ils sont dans tout le quartier. La voie est libre. En avant. Restez vigilants. Daniels, on a encore besoin du lanceur. Gaffe, ça va péter. Je vois rien du tout. Allemands, en face. Descendez-les ! Le passage est bloqué ! On doit se débarrasser de ces moches ! Je les vois pas ! Restez baissés ! Un fumier qui suit ! Préparez-vous à tirer ! Il y en a d'autres qui arrivent ! Bloquez-vous ! Indiquez-moi où il se trouve. Je recharge. Bien, passe devant et sécurise la pièce adjacente. Affirmatif. La porte est bloquée. Il va falloir se faufiler. C'est vraiment étroit. Moi, je passerai pas. T'as mangé trop de corned beef. Oh, très drôle. Daniels, vas-y. On est presque à l'hôtel. Soyez discret. Ok, on y va. Descendez.
Des grenades et des fumigènes pour toi, Daniels. Ce bahut nous bouche le passage. On va le pousser. Aiello, enlève le frein et prends le volant. Allez. Ouais, figé. Daniels, on a besoin d'un coup de main. Allez, Daniels, pousse. Saloperie. Il reste de l'essence. Il faut du jus. Il nous faut un véhicule. Lieutenant, je crois que je pourrais le démarrer. Hey, quelle surprise! Ta gueule, ok, on y va! J'ai des grenades et des fumigènes si tu veux! Daniel, c'est encore un mur! Perce-moi ça! Mettez-les tous au tapis, d'accord? Reculez! Daniel, je fais sauter ce mur! Vous arrêtez pas! On doit nettoyer le hall! Sussman à droite! Aiello à gauche avec moi! Stiles à l'étage avec Pearson! Affirmatif! Ils sont retranchés dans l'escalier principal! En face! Mitrailleuse dans l'escalier aussi! Allez-y! Prenez les artères! Merde! Ils sont partout! Il m'en faut plus! La deuxième section ratisse les étages! À nous de vérifier le sous-sol! Avec moi! Balance-la! Voilà pour toi! Restez groupés! J'ai besoin de munitions, lieutenant! Attention, Daniels! Hey, Stiles! J'ai trouvé la cachette parfaite pour toi! Va te faire voir! Fokker! Daniels, à toi la porte! Lumière. Je vais gucken. Vielleicht haben sie etwas zu essen. On dirait un gosse. Quelqu'un a du chocolat? J'en ai. Je parie que vous avez faim. Allez, tenez. Anna! Tout va bien! On vous veut pas de mal. On vous veut pas de mal. À manger, ma sœur. Pitié, aidez-nous. Non. Les renforts Bosch peuvent arriver à tout moment. On n'a absolument pas le temps de materner des civils. Elles sont que deux. Chef, vous devriez venir voir. Ah, c'est parfait. Merde. On est passé devant un camion tout à l'heure. On pourrait revenir avec et les sortir de là. Sauf votre respect, notre mission était de sécuriser cet hôtel. Wir haben Verwundete. Die werden es nicht schaffen. Je parle pas Bosch, ma belle. Ich spreche es falsch Deutsch. Keine Sorge, alles wird gut. Tu parles Bosch? Et t'avais l'intention de nous le dire? Oh non. Bon, on va évacuer ces civils. Daniels, Aiello, allez chercher ce camion. Rendez-vous du côté ouest de l'hôtel. En route. Je me demande ce que tu caches d'autre, Herr Sussman. Foutez-moi la paix. Jamais de la vie, soldat. Jamais de la vie. Je crois qu'on est seul sur ce coup, Daniels. J'en reviens pas que Sussman ne s'est pas dit qu'il parlait allemand. En fait, il est juif allemand. C'est juste qu'il voulait pas révéler son côté allemand. On a tous quelque chose qui nous fait honte. J'arrive pas à croire que vous faites 4 portes de poche. Il y avait un gosse. Des vieillards aussi. Il va sauver tout le monde. C'est des civils. On les renvoie vers l'arrière. C'est comme ça que ça marche. Ouais. L'albahut, allez! Ok. Je vais pas en avoir pour bien longtemps. D'accord, on te couvre. Troupe allemande en approche! Va
Dépêche-toi, merde! J'y suis presque! Je tente le tir! Ils arrêtent d'attaquer! On dirait qu'ils se replient! Réussi à le démarrer. Merci pour le soutien. Je me demande s'ils sont pas en train de se regrouper au nord. On doit avertir les squads. On doit tirer ces gens de là et vite. Ou alors, on tient la position. Trop dangereux. On risque d'être pris entre les échanges de tirs. C'est un peu tard pour ça, là. Décide-toi. Pearson a raison, Daniel. On n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Ce sont des civils, ils ont besoin de nous. Traverse la zone et garde-le dans la rue. Oui, ça. Où est-ce que vous allez ? Qu'est-ce qu'elle dit, là ? Que sa sœur a dû retourner au sous-sol. Eh ben, elle peut y rester. On doit tirer tout ce monde de là. Allez ! Lieutenant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je viens de dire ? Tu as 2 minutes. Je viens aussi. Non, juste Daniel. C'est trop dangereux. J'ai besoin de toi pour couvrir le périmètre. Oui, chef. Dépêche-toi de revenir. À vos ordres. Bereich gesichert! Tout va bien se passer. Zeichen von Feinden. Wir sind nicht allein.
s'en sortir. Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Merde! Merde! Nein, Kaspar! Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort! Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Tu t'en sors très bien. On y est presque. Tu vas devoir être courageuse une dernière fois. Tu t'en sors très bien. On y est presque. Mais d'où est-ce qu'il vient? Pas le choix, faut y aller. Non, pas par ici! Merde! Arrêtez! Tirez pas! Tu vas devoir être courageuse une dernière fois! Je suis là, Anna! Mais d'où est-ce qu'il vient? Pas le choix, faut y aller! Es ist ein Amerikaner! Tirez pas! Tirez pas! Amerikaner! Tu vas devoir être courageuse une dernière fois! Tire raus! Je suis avec toi! T'en fais pas! Mais d'où est-ce qu'ils viennent? Pas le choix, faut y aller! Ça va aller! Impossible de passer par là! Je suis là, Anna! Encore un petit effort! J'entends des coups de feu! Pas par ici! Conduis-la au camion. On couvre. Compris. On fait le ménage. Daniel, par ici. Il y aura bientôt à nous. On a pris l'hall. Anna. Merci. Maman a gesagt, ich soll mich um Kaspar kümmern. Die kommen nicht zurück. Ok, ils peuvent se débrouiller. En route. On les escorte à poids, c'est tout. Pearson a raison. Si on vient avec eux, on risque d'attirer les tiens. Ça me paraît trop risqué. Soldats Sussman, on sécurise cette rue et on les évacue, c'est compris? Oui, j'ai bien compris, mais seul, je pense qu'ils seraient plus en sécurité. Si on laisse les Allemands reprendre cet hôtel, tous les nôtres dans le secteur seront en danger. On n'est pas à Catherine, là. On a l'avantage. Allez, faites-les monter, vite. À vous de voir. Tous à vos positions! Donnez la position.
Mond war bien. Kann jemand einen Laster fahren? Wie in einem Breckenhäuschen. Ja, ich. Ich kann fahren. Alif, nee. Sicher! Ils ont tiré sur le camion! Erika! Bitte, Erika, fang auf! Elle est morte! Allez-y! Allez! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Je suis les ordres, tout le monde retourne à l'hôtel! On bouge, on bouge, on bouge! Hé, hey, on peut plus rien faire. On a pris Aix-la-Chapelle, ouvert un passage occidental vers le Rhin. Mais le fossé entre Turner et Pearson est plus large que jamais. Et c'est bien plus que nos vies qui reposent entre leurs mains. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à vous abonner. Et puis moi je vous laisse pour une prochaine vidéo sur Call of Duty World War II. Allez, ciao !